parfaite si on avait gagné à Caen. Là, elle avait pas très bien débuté, elle finit très très bien. Parce qu'on fait deux grosses performances. C'était important de confirmer ce soir surtout la très bonne performance et le très bon résultat de City. On a eu un début de match un petit peu difficile, mais on a su se remettre dans le bon chemin et faire une deuxième mi-temps de grande qualité. Non, mais c'est vrai que c'est toujours difficile parce que dans ce genre de match, si on fait le break, on sait qu'on fait un grand pas vers la victoire. Après, ça arrive, c'est comme ça, le football, on fait d'erreurs, de bonnes choses. Le plus important, c'était de réagir. Et j'ai beaucoup aimé la deuxième mi-temps par rapport à ça. Parce qu'arriver à un partout à la mi-temps, alors qu'on aurait pu y arriver à 2-0, il fallait beaucoup de force de caractère, beaucoup de talent aussi. Et j'ai beaucoup aimé notre deuxième mi-temps par rapport à ça. Oui, après, ça, ce sont les joueurs. Hein. Moi, je fais des choix parce que j'ai beaucoup de joueurs de très haut niveau. J'ai un effectif conséquent qui a beaucoup de matchs et qu'il faut concerner tout le monde, le maximum de joueurs en tous les cas. Après, ça nous a réussi, tant mieux, mais ça montre que l'émulation et la concurrence fait avancer tout le monde. Facile, je dirais pas ça. Parce que ce sont deux grandes équipes. City, c'est une des meilleures équipes européennes. Marseille, c'est une très très bonne équipe. Ils ont posé beaucoup de problèmes ce soir. Donc, c'est plus facile, on va dire, pour préparer les matchs au niveau de la motivation. Mais pour le reste, ce sont deux gros matchs qu'on vient de réaliser. Maintenant, il faut confirmer dès mercredi à Dijon. On sait qu'on a des soucis parfois face à des équipes entre guillemets plus faibles. Donc à nous de bien nous préparer, c'est toujours difficile d'aller jouer là-bas. C'est, je pense, le point le plus important, d'avoir toujours le même investissement. On sait que si on a l'investissement qu'on a montré mercredi et ce soir, on est au-dessus en termes de talent et de qualité que pas mal d'équipes du championnat. Mais encore faut-il l'avoir, parce qu'on a montré par le passé que ce n'était pas toujours évident. Donc j'espère qu'il y a eu une vraie prise de conscience cette semaine. Et qu'on va être capable de rééditer le même genre de performance dans l'état d'esprit. Et si on a ça, il y a de grandes chances qu'il y ait des résultats positifs.